soir. Si je suis une chanteuse engagée, je pense que je suis une personne engagée. Et je pense que ma musique, elle reflète ce que je vis, ce que je sens. Je me réveille et je suis en colère. Et je rigole et je me dis, on va essayer de changer tout ça avec de la musique. Martha Jean-Claude a chanté, repris des chansons d'Haïti qui sont des chansons traditionnelles, des chansons folkloriques, vaudouisantes. En fait, cette musique, c'est ce qui nous a libérés de l'Empire français en 1804. Donc cette musique, elle est hyper importante, elle est limite sacrée et elle a des pouvoirs magiques. Faire la fête, en ce moment, moi je dirais The Blaze avec Rise, seule dans ma chambre. Sur la grand mare des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Récemment, aux funérailles du grand-père d'une bonne amie, j'ai chanté Les Copains d'abord. Dans le contexte de funérailles d'un grand-père qui a été beaucoup, beaucoup aimé, qui a vécu à travers plusieurs guerres, qui s'est retrouvé perdu dans l'océan, c'était vraiment beau. Et elle passait sur Musique Plus quand j'étais plus jeune au Canada. Et c'était être là-bas, vivre là-bas, juste là-bas, toi et moi, c'est pas une mauvaise idée.